Y a pas à dire, cette intro elle a de la gueule, hein. Malgré la résolution et au-delà des années, elle a de la gueule. Bonjour à tous, on se retrouve pour le let's play de Thief 2 The Metal Edge comme promis. Alors les conditions du test, ça va être, comme vous l'avez vu sur la vignette, en mode expert, avec 0 KO, donc on va pas toucher aux sentinelles. Même si pour cette première mission ça n'a pas trop de sens, puisqu'on est obligé de réaliser 8 KO. Mais pour le reste, on ne touchera pas aux sentinelles, donc voilà. Et en mode HD, dont on va reparler un petit peu plus tard. Je vous laisse avec l'intro full English du jeu, enfin de la mission. Je suis désolé, j'aime pas les voix françaises. Enfin, la voix du personnage principal est très belle d'origine, mais il est trop théâtral, le mec, ils se font pas du tout dans le personnage. La voix anglaise est nettement supérieure, selon moi. Donc je vous laisse avec du full English. Ceux qui voulaient suivre le scénario, tant pis pour eux. Je suis désolé. Et c'est parti. I've always equated feelings with getting caught. They both get in the way of my money. Unfortunately, not everyone is as committed to their work as I am. An old associate of mine, Basso, the boxman, wants to marry Lady Rumford's chambermaid, Genevieve, and live happily ever after. Guess prison life spoiled his taste for thievery. Too bad for Basso that Lady Rumford has other plans. Marriage would void Genevieve's indentured service contract, so Rumford is keeping her confined in the estate with the rest of her worldly possessions. Basso has asked for my assistance on getting her out, since infiltration is my specialty. I make it a policy never to take a job so sentimental, but the Rumford Manor could be a lucrative opportunity for a man like me. It would also mean that Basso would owe me a favor, and in this line of work, you can never have too many of those. I'll sneak in after dark and clear a path for Basso so he can rescue his damsel in distress. Along the way, I'll pick up a few souvenirs for the local pawn shops. That should make all this aggravation worthwhile. Otherwise, I'll make Basso wish he was still rotting in Crag's Cleft. This proves it. Going legit is more trouble than it's worth. Voilà. Trop bien la voix. Hein. Alors on y va. Spread the lock on the side door for you, Garrett. It's the only good way in. C'est Basso, hein. Il a rien à voir avec le reboot de 2014. Voici donc le mode HD, donc le ciel nettement retravaillé, avant c'était une espèce de petit dégradé avec quelques étoiles et puis une lune énorme, la lune est, je sais pas si on pourra le voir là, ouais elle est super bien retravaillée, l'herbage, la végétation, avant c'était une texture, voilà, c'était un peu ce qu'on peut voir au milieu, là ils ont rajouté de l'herbe haute, balayée par le vent, c'est formidable, si ce n'est que ça pop, et puis là t'as l'arbuste qui pop carrément, là. C'est bizarre, c'est pas toujours ça, bon... Alors, je vais vous laisser par contre, parce que je vais pas pourrir l'ambiance trop, et puis c'est surtout que les bruits du clavier, ça va vraiment, c'est saoulant. Donc je vous reprends dès que j'aurai quelque chose à dire. Allez, à tout de suite. Good thing the butler's out for the night. He left his lights on. Always sputtering out. Well, don't just make tap. I lost my tinderbox. Yeah.
Is someone there? What's there? Well, that's her door. Guess Basso can open it. He's not much of a sneak, but he can sure handle a lock. Buddy better be taffing around down. Not again. All right, who's making the racket? Thank you.
Thought I saw something. Nothing here now. But I saw something. Over there. Something there. Looks like it's nothing. Hey! Voilà, mission accomplie. Alors on fait un tour du côté des stats. Donc on a fait l'intégralité du loot. Pas celui des pochettes détroussées, des poches détroussées. J'ai jamais réussi ça d'ailleurs. Et par contre les 3 secrets sur 3. Et les secrets, ça c'est un petit délice de ce second opus. Dommage qu'à l'époque ça n'existait pas, mais dommage qu'il n'y ait pas un trophée relatif à ça, parce que c'est vraiment super. On se retrouve plus tard. Pour la seconde mission, dites-moi dans les commentaires si ça vous convient, s'il y a des choses qui vous dérangent, etc. Allez, ciao !